Gravement blessé lors des essais du Grand Prix du Brésil 1989, Philippe Streff demeure paralysé des quatre membres au terme de trois années d'hospitalisation. Depuis, ce sportif de haut niveau, titulaire d'un baccalauréat scientifique, se bat contre la fatalité, celle qui consiste à penser qu'une personne dans son état est condamnée à l'immobilité. Car pour Philippe Streff, toujours pilote dans la tête, pas question d'abandonner la conduite. L'ex-rival d'Alain Prost goûte à présent au plaisir d'une grande berline allemande, en l'occurrence une BMW GT5 développant 245 chevaux dont il a lui-même assuré la mise au point. Une fois installé à bord, avec l'aide de deux personnes, Philippe pose son coude gauche sur la portière et se fait sangler la main droite à la poignée ergonomique. Titulaire du permis mini-manche depuis 1993, seule une centaine de personnes le possèdent aujourd'hui en France, le conseiller technique auprès du ministère des Transports démarre avant d'engager la première d'une simple impulsion donnée de l'épaule gauche. De la main droite et selon le même principe, ce conducteur pas comme les autres gère la direction en orientant le levier vers la droite ou vers la gauche, l'accélération en le poussant et le freinage en le tirant. En théorie, le système paraît simple. En pratique, il exige de la part de l'utilisateur énormément de précision, d'expérience et de concentration. Dans la circulation urbaine, la gestion des piétons ajoute encore un peu de pression, et sur voie rapide, la vitesse n'accorde aucun droit à l'erreur. À noter que les pédales ont été conservées pour permettre à un valide de la conduire si nécessaire. Il suffit pour cela de réenclencher le volant d'origine qui se clippe tel celui d'une Formule 1, sur la colonne de direction. Au final, l'aménagement de cette voiture a réclamé près de 3 mois de travail pour un coût total proche de 30 000 euros. Une somme certes conséquente, mais qui ne représente pas grand-chose eu égard au bonheur procuré. Quand les commandes vocales seront opérantes, Philippe pourra même contrôler la climatisation, le téléphone ou la radio. Bref, pour son 22e Noël passé en fauteuil, il ne pouvait espérer que de cadeaux.